Coucou, coucou, coucou tout le monde! Ça va, Ellie? Oui! Bah alors, tu nous montres? T'as une belle chemise, dis donc! Ouais, elle est belle! Oui, t'as remonté tes manches parce que t'es allée à l'école. Ah, t'as pas de chaussettes par contre, et tes pieds ils sont douteux. La propreté est douteuse. Ils sont froids. Ils sont froids? Bah oui, parce que. Petit chat, ici. À la maison, c'est du carrelage. Alors, Ellie, elle a les pieds froids. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une petite ouverture de. Un petit unboxing? Oui. Oui, de petits jouets pour les petites filles? D'abord, on va faire le gros. D'abord, on va faire le gros et après, on fait le petit. Ouais, on a deux petits paquets à ouvrir. Alors, on va vous montrer ça. Et c'est toi et mamie. Et oui, parce que mamie et moi, on craque souvent. Allez, à tout de suite, générique! Et nous revoici! Alors, Ellie, elle a un petit colis à ouvrir. Bon, bah ça y est, elle est partie, elle attend, elle est impatiente. Qu'est-ce que c'est? Ariel! Oh, Ariel! Je t'ai pas vu! Oh non! Bah, elle t'a pas manqué, tu l'as. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu nous montres? Fais voir. Donc, c'est une princesse Disney. Donc, elle peut nager dans l'eau. Elle peut nager dans l'eau. Dans l'eau. C'est mieux parce que nager dans l'herbe, c'est pas top quoi. Il y a un trou sur ce. Alors, tu nous montres un petit peu, puis maman elle va t'aider à l'ouvrir parce que ça c'est hyper compliqué à ouvrir pour les petites filles. Il y a un petit trou. Allez, montre. Et je vais... Alors, tu nous montres et on l'ouvre. Donc, c'est Ariel Splash Surprise. Je vais lever la caméra parce qu'on voit rien. Donc, c'est Ariel avec ses jolis cheveux orange. Elle a une petite robe et là, elle a sa queue de sirène. Donc, en fait, hop, soit elle va dans l'eau, soit elle est sur terre avec ses jambes parce que vous connaissez tous l'histoire d'Ariel. Donc, voilà, elle découvre le monde au-delà de l'océan. Dessin animé. Oui, on l'a regardé en vrai dessin animé. Avec mamie. Là, il y a des extraits du dessin animé. Ellie, elle adore. Ah, il y a son petit ventre là. Et oui, alors comment on ouvre cette bête? Comment on ouvre la bête? Ah là là, mon Dieu, mais c'est hyper bien emballé. Et ben toi, tu l'as emballé. Alors attends. Je vous montre. J'ai pas la force de papa. Allez, non. Papa. Que ton esprit soit avec moi. Attends. Sinon j'ai l'aide providentielle, le ciseau. J'ai vu sa robe. Ah ouais, on arrive à voir sa robe. Hop là. Alors, on va y aller. À la bourrin. Alors attends, il y a des petits teuteux en plastique qu'il va falloir couper. Donc ça va partir à fond dans la maison. Hop, tu peux attraper sa robe, je pense. Waouh. T'as eu tout? Super. Alors maintenant, on va voir le plus important. Ah. Oula, pardon. Je vous ai bougé, je vous ai mis un grand coup. On a coupé les petits copains. Oh là là, elle est bizarre la pauvre bichette. Oh, elle a perdu sa queue. T'as vu? Ah. Allez, on va mettre des petits coups de ciseaux. Hop. 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 Et voilà. Hop. Et ensuite, ses cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ses cheveux? Ma bichette, qu'est-ce qu'ils t'ont fait avec tes cheveux? Oh. Regardez la pauvre, elle a deux teuteux. Alors ça c'est trop fort, je sais pas comment ils arrivent à les enfoncer là-dedans. Du coup on va couper Ra sans lui faire une coupe de cheveux. Bing. Et il y en a un second. Qu'est-ce qu'elle a dit maman? Ah oui, tu vas essayer, tu vas nous montrer comment on monte la queue de Ariel. Maman, je sais pas. En plus c'est cool, tu vas pouvoir jouer dans le bain avec. Ouais. Alors je vous montre. Oh, j'ai une grosse tête. Oh, chouette. Là, tu t'appelles Mamie. Mamie. Comment c'est, maman, en anglais? Mamie. Et mamie, en anglais?
tête. Grandma. Grandma. Et papa? Alors voilà, donc en fait c'est une petite coque en plastique, sa queue de sirène. Et moi je veux... Allez, mets-nous le bout. T'es dans le bon sens? Oui. Ça doit être le bon sens. Ou alors c'est de l'autre côté. Le violet doit être devant mon cœur. Ouais. Alors, je fais un petit peu de place, c'est un gros bazar. Alors, fais voir. On enlève tout. Vous voyez, sa queue, elle est... On peut tout enlever. Hop, hop, hop. Elle est chouette, elle est toute pailletée. Il y a un petit coquillage. Elle est bleue. Alors, faut un peu de force hein, quand même. Hein. Donc voilà, et Ellie, ça y est, elle l'a libérée, elle est devenue humaine. C'est le rêve d'Ariel hein, de devenir humaine. Moi, j'aime bien la bise. Et oui, tu arrives bien maintenant. Son maillot de bain. Oui, on lui laisse son maillot de bain dessous, c'est pas grave. Tiens, je t'aide. On va lui enlever ses cheveux. Voilà. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez, vas-y mon chaton. Oui, et sa petite jupe, tu nous mets sa robe? Sa petite jupe, pardon, c'est pas une robe. Elle est pink. Pink, purple, brillante, pleine d'étoiles. Donc c'est cool, on a deux poupées en une. On a la version avec une queue de sirène. Ça, il faut que je comprenne comment on le monte. Parce que je pense que je ne l'ai pas fait correctement. Hop. Donc on a la version avec la queue de sirène et la version habillée. Maman, elle va t'aider. Comment ça marche? Ça marche comme j'ai ça. Déjà la hop. Et voilà. Waouh, est belle sa robe. Hein. Est-ce que je peux la voir? Ouais, attends, je montre juste au petit copain. Elle a est des belle, énormes yeux. Est-ce qu'elle on est peut l'asseoir, bien sûr. Donc je vous montre. Elle a des longs cheveux. Avec quoi elle peigne ses cheveux, Ariel? Fourchette. Oui, avec une fourchette. Oui, parce qu'elle sait pas. Alors elle demande à son copain l'oiseau. Il lui dit, bah, c'est pour peigner les cheveux. N'importe quoi. Voilà, donc elle est super belle. Allez, on ouvre le petit, le second, le deuxième. C'est moi qui l'ouvre dans mon galerie. Alors je vous dis, on change complètement de thème. Hein. On n'est plus dans les Disney princesses. Allez, mon cœur. Elle est chouette. Je l'aime bien, celle-ci. Ouais, elle est trop belle. Hop. Alors, est-ce que tu arrives à ouvrir le second, mon amour? Oui. Sylvania. Oh, des Sylvania. Donc, je vous ai dit que ça avait absolument rien à voir. Oh non, des kangourous. Moi, je l'adore, le bébé kangourou. Moi, je l'adore. Allez, maman, elle va t'aider à l'ouvrir. Est-ce que moi, je peux garder le petit? Mais bien sûr. Et on agrandit la collection des Sylvania. Donc là, hop, hop. Hop, c'est le 7, bah, c'est la Kangaroo Family, Kangaroo Family en anglais, et c'est la 52, c'est le 52-72, voilà. Regarde, elle vous montre peut-être. Oh, viens, on va montrer, je vais te les détacher. Vous les voyez super bien comme ça, donc ils sont dans un beau décor, dans une prairie. Donc on a Papa Kangaroo, Maman Kangaroo, bien sûr, avec son tout petit. Pépé. Et on a la grande sœur. Allez, je vais te les détacher. Ne t'inquiète pas. Là, on met des petits coups sur les attaches. Est-ce que ça a une queue, les kangourous? Oui. Bah oui, regarde, elles sont là. Alors attends, hop. Et hop. Et hop. Et... Ah! Yop! Allez, tu peux les attraper. Voilà. Hop! On va leur enlever leurs élastiques, mon chaton. Alors, Papa Kangaroo. Tac. Oh, mais lui, il travaille dans un bureau. Il a mis sa petite cravate. Il est chouette. C'est toujours trop beau, les Sylvanian Family.
Il travaille dans un bureau, mais à l'ancienne quand même, hein, parce qu'il a mis du carreau en bas. Ses petites pattes. Regarde, j'ai retrouvé mon bébé. Il est chouette, et sa jolie. Wow. Enfin, elle est pas petite, hein. Il a une grosse queue toute douce. Yeah. Tu nous montres la maman maintenant? Le bébé. Non, la grande sœur. La grande sœur et le bébé. Elle garde le bébé jusqu'au dernier instant, Ellie. La grande sœur, elle a une magnifique petite robe à carreaux rose avec un petit nœud. Donc elle aussi, elle a des grandes oreilles. Et elle a sa queue, qui est un peu plus petite que celle du papa, forcément. Elle est plus petite. Elle est chouette. Et le petit, il n'y a pas de queue. Fais voir. Tu nous le montres, je te le rends dans 2 secondes. Oh, le petit bébé kangourou. Waouh, il a juste un petit drap sur lui. Et oui, il n'a pas de queue, il est trop petit encore. Il est trop beau. Est-ce que c'est un garçon ou une fille à ton avis avec cette... Je crois qu'il y a une fille parce qu'il y a une couverture rose. Bravo mon amour. Déduction. Et je te pique la maman. Alors attends, elle a encore des élastiques. Donc en fait, la maman kangourou, elle est comme ça. Donc elle a sa queue, on va la faire remonter. Elle est belle elle aussi, donc c'est toujours tout doux, très beau, plein de détails, c'est toujours bien fini les Sylvanianes. Elle a une belle robe à fleurs, et alors pour faire la poche, parce que vous savez bien que les kangourous ils ont une poche sur leur ventre, hein, c'est ça mon amour. Et j'en ai vu ça quand j'étais petite à maman. Ah oui, on a des kangourous à la ferme, oui bien sûr, non au zoo peut-être, au zoo. Donc en fait, les mamans kangourous, elles ont une poche normalement pour mettre le bébé, hein, au chaud, qui vient se blottir contre sa maman. Et ici, ils ont fait ça en mettant une petite poche sur la robe. Tu nous montres avec le bébé à l'intérieur? Non, moi je le montre. Allez, mets-le. Musique d'ascenseur, hein, bien sûr. Non. Oh, fais voir, c'est chouette. Fais voir. Oh ouais, montre-moi mon cœur. Alors voilà, la maman, quand elle porte son petit bébé kangourou. Regarde, le papa, il porte ton bébé. Eh oui, le papa, il peut porter la grande fille. Hein. Ouais, c'est super chouette. On va trop s'amuser avec ça. Allez, Elia a agrandi sa collection de Sylvanian et de Disney Princess. Voilà. Est-ce que t'es contente, mon amour? Oui, on va pouvoir faire des super belles histoires. C'est quoi ton joujou préféré? Les Sylvanian. Et le bébé kangourou. Bah, merci, mamie. Tu lui dis merci? Merci, mamie. Merci, maman. On vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt, surtout commentez, likez, partagez cette vidéo, mettez des petits pouces en l'air, les petits pouces bleus, et puis laissez-nous des petits commentaires, dites-nous lequel des jouets vous préférez, donc c'est des jouets de filles quand même, hein. Les Sylvanian c'est mixte, mais les Disney Princesses c'est bien pour les filles, et puis on vous dit à bientôt, on vous fait des gros bisous et on vous laisse sur les Sylvanian.